Garantir le stockage de l'oxygène et faciliter son déplacement dans les hôpitaux des trois îles, c'est ce qui a poussé la société Gascom, avec l'aide de l'État, à acheter ces 100 bouteilles d'oxygène vide qui ont atterri à Moroni ce jeudi à bord d'un avion Abbey Aviation. C'est une activité que nous avons déjà, mais qui était dimensionnée pour les besoins, je dirais, normaux en oxygène du pays. Mais avec cette crise, les besoins ont fortement augmenté. Et surtout, il y a un prévisionnel qui a été établi par le comité Covid en cas vraiment de pic de la crise. Et malheureusement, on ne pouvait pas attendre que ce pic arrive pour réagir, sinon c'était déjà trop tard. Et donc il fallait prendre des mesures immédiates pour pouvoir couvrir les besoins actuels et à venir dans un certain délai, notamment sur l'ensemble des îles. Et même là, ça ne suffit pas. Donc le deuxième volet de l'opération sera de faire venir un conteneur de bouteilles par bateau cette fois-ci, donc avec un coût plus modéré. Mais maintenant, les délais le permettent puisque nous avons de quoi fonctionner sur les semaines à venir. Ce n'était pas facile pour AB Pack Express de transporter ces bouteilles qui pèsent 7 tonnes, ce qui se fait rarement par voie aérienne. Mais toutes les précautions ont été prises pour répondre à l'urgence. Aujourd'hui, on est vraiment satisfait du fait qu'on a pu remplir cette mission dans le sens où c'est du matériel extrêmement compliqué à transporter par avion, tant au niveau économique, tant au niveau technique, parce qu'il faut sécuriser l'envoi, il faut sécuriser les équipages qui opèrent dans nos appareils par rapport à ce type de matériel. Donc ça nous a demandé beaucoup de concertation, de travail en équipe avec les différents intervenants dans la chaîne du transport pour acheminer ce fret en toute sécurité à Moroni. Rappelons que la société Gascom est chargée de fournir l'oxygène utilisé dans les hôpitaux des trois îles, plus particulièrement dans ceux qui accueillent les patients souffrant du Covid-19. Accompagner la société Gascom en cette période de crise sanitaire était nécessaire pour le gouvernement afin d'assurer un stockage et une production permanente de ce produit. 200 autres bouteilles sont attendues dans les deux prochains mois à venir par voie maritime.